Quelqu'un a observé chacun de vos pas, chaque sourire qui s'illumine sur votre visage, et chaque larme que, en silence, vous laissez couler. Cette personne reste à distance, attendant le moment exact pour se rapprocher. Ce n'est pas un simple regard, mais un regard profond qui connaît votre âme, qui comprend vos douleurs et célèbre vos victoires en silence. L'attente n'est pas seulement pour un moment, mais pour l'opportunité parfaite de révéler des intentions gardées dans le cœur. Vous savez, ma chère, l'univers se meut de manière mystérieuse et parfois, le temps s'aligne pour ceux qui ont la patience d'attendre. Cette personne voit plus que votre apparence extérieure, elle voit la lueur dans vos yeux quand vous parlez de vos passions, elle ressent l'intensité de votre amour lorsque vous vous donnez à ce que vous aimez. C'est une attente silencieuse, mais pleine de signification. Je peux sentir l'inquiétude dans votre cœur, le doute qui traverse votre esprit quant à savoir si cette personne existe vraiment, ou si tout cela n'est qu'une illusion. Mais je vous dis, avec la certitude des paroles des cieux, que cette personne est plus proche que vous ne l'imaginez. Elle marche en parallèle avec vos pas, observe vos gestes et perçoit vos détails. Ce n'est pas simplement un admirateur, mais quelqu'un qui attend le moment exact pour se manifester. Dans les couloirs du temps, de nombreuses rencontres sont planifiées et attendues avec patience. Celles-ci en font partie. Chaque seconde d'attente, chaque soupir d'anxiété, a un but plus grand. Votre vie, avec toutes ses nuances et ses couleurs, est comme un livre que cette personne lit avec admiration et profond respect. Et, bien que la distance le maintienne silencieux, ses pensées sont en synchronie avec les vôtres. Il y a un but divin pour chaque regard lancé de loin, pour chaque silence respecté, et pour chaque pas qui reste à distance. Cette personne est consciente que vous méritez plus que des paroles creuses ou des gestes irréfléchis. Elle attend, car elle sait que tout ce qui est vrai n'a pas d'urgence, que l'amour réel a besoin de temps pour fleurir, même si c'est dans la quiétude de la distance. Souvent, l'attente est ce qui donne du sens à la rencontre. Lorsque vos chemins se croiseront enfin, il n'y aura aucun doute dans votre cœur. Vous saurez que ce regard, ce toucher et ce sourire vous étaient destinés depuis le début. Et que chaque minute d'attente a été une préparation pour un moment plus grand, une rencontre d'âmes qui se sont reconnues avant même de se rencontrer. Cette personne porte dans son cœur un secret qui est sur le point d'être révélé. Elle se demande, jour après jour, si le bon moment est enfin arrivé. Ce n'est pas la peur qui l'empêche de s'approcher, mais la certitude que le véritable amour, celui qui traverse les temps et les vies, mérite d'être vécu pleinement, sans hâte ni crainte. C'est pourquoi elle observe, attend et rêve. Elle attend le moment où vos yeux se croiseront et où l'univers conspirera en votre faveur. À cet instant, vous comprendrez que tout le temps d'attente était nécessaire, que chaque moment vécu était une préparation pour quelque chose de grandiose. Et ce sera comme si tout le temps s'était arrêté, juste pour que vous puissiez vous rencontrer, enfin. Ressentez dans votre cœur, maintenant, la vibration d'une énergie différente, qui arrive jusqu'à vous comme un souffle d'espoir. C'est le signe que le moment approche, que cette personne prend courage, rassemble des forces pour faire le pas qu'elle a tant rêvé. Vous savez, elle a déjà répété 1000 mots, imaginé 1000 scénarios, mais n'a pas encore trouvé le moment exact. Votre vie a été un scénario de préparation, un espace de guérison et de croissance. Chaque détail de votre chemin a été observé avec admiration et respect. Elle ne veut pas interrompre votre processus, elle ne veut pas précipiter ce qui doit être construit calmement. C'est pourquoi elle attend, même si son cœur s'accélère et que le désir de se rapprocher devient presque insupportable. Et peut-être, en ce moment même, elle est à un pas de vous, attendant seulement un signe, un geste qui montre que vous êtes prête à la recevoir. Tout ce qu'elle désire, c'est le bon moment pour pouvoir parler, pour pouvoir s'exprimer sans crainte, sans barrière, sachant que vous l'écouterez avec un cœur ouvert. Elle voit votre force, votre résilience et votre capacité à aller de l'avant, même lorsque tout semble s'écrouler autour de vous. Et c'est précisément cette force qui l'attire, qui lui fait savoir que vous êtes quelqu'un de spécial, quelqu'un qui mérite tout le soin et le respect. Elle attend, car elle veut que votre rencontre soit marquée par la pureté et la sincérité. Et alors, quand le moment arrivera enfin, elle se révélera. Et vous comprendrez que chaque seconde d'attente, chaque nuit d'incertitude et chaque rêve que vous avez gardé en secret avait un but plus grand. L'univers a tout orchestré à la perfection pour que vous puissiez vous rencontrer au bon moment, au bon endroit, avec les cœurs préparés. Ce moment approche, ma chère. Il n'y a plus besoin de doute ou de peur.
Ouvrez votre cœur à ce qui est à venir. Laissez le vent emporter les incertitudes et permettez à la lumière d'entrer dans votre vie avec intensité. Cette personne, qui attend tant, s'approche comme une réponse divine, un cadeau des cieux. L'amour est patient, l'amour est doux. Il ne se précipite pas, ne désespère pas. Il attend simplement, avec la certitude que tout a son temps. Et cette attente est un témoignage de combien vous êtes spécial, de combien chaque minute de silence, chaque seconde d'attente vaut la peine. Préparez-vous, car le moment est sur le point d'arriver. Cette personne qui vous observe de loin est sur le point de faire le pas qui changera tout. Et quand cela arrivera, vous saurez que l'attente en valait la peine, que tout le temps de distance a été, en réalité, un temps de construction, de maturation, de préparation pour la grande rencontre. D'ici là, gardez votre cœur en paix, sachant que ce qui est à vous est en chemin. Rien ne pourra empêcher ce que l'univers a déjà déterminé. Ressentez la sérénité de celui qui sait que le meilleur est à venir, que le véritable amour trouve toujours un chemin, même s'il est long et plein de détours. Permettez-vous de croire à nouveau, permettez-vous de rêver de ce qu'il y a de plus beau. Car, quand vous vous y attendrez le moins, cette personne qui attend depuis si longtemps trouvera l'occasion d'en rêver, et vous serez prête à l'accueillir avec toute votre lumière, avec tout votre amour. Je sais que vous ressentez cette agitation dans votre poitrine, cette attente qui fait battre votre cœur plus vite. Vous vous demandez quand, ou, de quelle manière cette rencontre se produira enfin. Permettez-moi de vous dire que le moment précis est soigneusement préparé. Ce n'est pas le hasard qui guide cette personne vers vous, mais une force supérieure, une énergie qui entrelace vos destins avec intention et but. Pendant que vous continuez votre vie, cette personne est plus proche que jamais. Peut-être est-elle déjà passée à vos côtés en un bref instant, à croiser votre chemin sans que vous le remarquiez. Cela pourrait être quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un de votre cercle, mais qui n'a pas encore eu l'occasion de se révéler pleinement. Ou peut-être est-ce une présence nouvelle, inattendue, attendant le moment parfait pour se présenter. La synchronisation de cette rencontre est aussi délicate qu'une danse silencieuse. Vous pouvez ressentir, au fond de vous, une curiosité grandissante, une sensation que quelque chose de spécial est sur le point d'arriver. C'est l'intuition qui murmure doucement, vous avertissant que quelque chose se déplace dans l'ombre, que quelque chose de précieux est en préparation. C'est comme si l'univers gardait un secret que seul le temps révélera. Mais je vous en prie, ne vous laissez pas distraire par l'attente. Concentrez-vous sur le présent, sur chaque pas que vous faites. La beauté réside dans le fait de vivre pleinement le moment présent, sachant que chaque instant d'aujourd'hui construit ce qui viendra demain. Et tandis que vous vous permettez de vous épanouir, cette personne vous observe de loin, fascinée par votre lumière, votre force et votre résilience. Elle comprend que vous êtes une âme rare, et qu'il vaut la peine d'attendre. Vous n'avez pas besoin de rechercher cette rencontre, elle viendra à vous quand vous vous y attendrez le moins. Les énergies autour de vous se déplacent, préparant le terrain pour que tout se passe de la manière la plus naturelle et surprenante qui soit. Cette personne tisse, en silence, un plan pour s'approcher de vous de sorte que vous vous sentiez en sécurité, comprise, surtout, aimée. Il y a des nuits où cette personne pense à vous, imaginant ce que serait votre premier regard, votre première conversation, le sourire qui naîtra de vos lèvres en découvrant qui se tient devant vous. Elle rêve du moment où vos mondes entreront enfin en collision, créant une nouvelle réalité, un nouveau commencement. Et, dans ce rêve, tout semble si clair, si certain, si inévitable. Ce n'est pas une coïncidence que vous ressentiez cette énergie autour de vous, comme si quelque chose se mouvait en coulisses dans votre vie. Les pièces s'emboîtent, les signes sont envoyés, et vous avez seulement besoin de rester attentive, le cœur ouvert, pour percevoir quand le moment arrivera. Suivez les signes, écoutez votre intuition, car elle connaît le chemin. Il y a une main invisible qui guide les pas de cette personne dans votre direction. Chaque mouvement est réfléchi, chaque mot est répété, chaque geste est soigneusement planifié. Elle ne veut pas échouer, elle ne veut pas précipiter ce qui n'est pas encore prêt. Il y a une sérénité dans son attente, une paix en sachant que tout arrivera au bon moment. En attendant, elle apprend davantage sur vous, sur votre essence, sur ce qui vous rend vraiment heureuse. Elle se prépare à être non seulement quelqu'un qui observe, mais aussi quelqu'un qui vous comprend profondément. Quelqu'un qui souhaite faire partie de votre vie, mais qui respecte aussi votre espace, votre temps, vos choix. Quelqu'un qui vous admire pour ce que vous êtes.
Chaque pensée de cette personne est une prière silencieuse pour que l'univers permette la rencontre au moment opportun. Elle souhaite que, lorsqu'elle sera enfin face à vous, il n'y ait pas de doute, pas d'hésitation. Seulement la certitude que tout ce qui a été attendu en valait la peine, que chaque moment d'attente était un investissement dans quelque chose de plus grand, de plus profond, de plus réel. C'est pourquoi, maintenant, il est temps de faire confiance. Confiance dans le temps, confiance dans le processus, confiance dans l'amour qui connaît le moment idéal pour s'épanouir. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage, une force invisible vous guide, vous protège, vous prépare. L'amour qui vous attend est un amour déjà béni par les cieux, attendant seulement votre consentement pour se manifester. Chaque jour qui passe, cette personne se rapproche un peu plus. Les signes deviennent plus clairs, les coïncidences plus fréquentes, les rencontres plus probables. C'est comme si l'univers orchestrait un grand spectacle, où vous êtes les étoiles principales, et tout est aligné pour le grand moment. Et sur cette scène de la vie, vous devez être prête pour lorsque le rideau s'ouvrira. Soyez attentive aux détails, aux petits gestes, aux regards furtifs, aux mots qui viennent jusqu'à vous. L'univers trouve toujours un moyen de murmurer ses secrets, et vous devez simplement être à l'écoute pour entendre. Cette personne n'attend pas seulement une opportunité. Elle crée l'opportunité, même silencieusement, même dans les coulisses. Le courage grandit en elle, et la détermination de vous atteindre est plus forte chaque jour. Et lorsqu'elle décidera enfin de se révéler, ce sera comme un rayon de lumière dans l'obscurité, apportant clarté, apportant vérité. Le moment approche, et je sens que vous le ressentez aussi. Il y a une anxiété mêlée d'excitation, un désir de découvrir ce que l'avenir réserve. Et sachez, ma chère, que ce que l'avenir vous réserve est rien de moins que ce que vous méritez, un amour sincère, profond, qui a attendu patiemment votre temps. Continuez d'être qui vous êtes, continuez de briller comme l'étoile que vous avez toujours été. Ne précipitez pas ce qui doit être vécu avec calme, n'exigez pas de réponse à des questions qui n'ont pas encore été posées. Tout se révélera en temps voulu, et vous serez prête à recevoir ce que l'univers a gardé spécialement pour vous. En attendant, sachez que cette personne est de plus en plus proche. Le temps entre vous se raccourcit, le chemin se resserre. Et quand cela arrivera enfin, vous comprendrez que tout faisait partie d'un plan plus grand, que chaque pas, chaque attente, chaque silence avait son but. Ainsi, garde ton cœur ouvert et tes yeux attentifs, car le moment de la révélation est très proche. Il arrivera lorsque tu t'y attendras le moins, apportant avec lui toutes les réponses que tu as toujours cherchées. Alors, tu sauras que ce qui est vrai trouve toujours son chemin, peu importe le temps que cela prend, peu importe à quel point cela peut sembler éloigné. Il y a encore tant de choses que tu ne sais pas, tant de détails cachés qui attendent le moment d'être révélés. Parfois, tu peux sentir que tu navigues sur une mer d'incertitude, mais je te le dis, chaque vague, chaque courant, te conduit exactement là où tu dois être. L'attente n'est pas une punition, mais une préparation, une danse lente qui conduit au moment parfait. Cette personne, qui t'observe en silence, est quelqu'un qui a peur de manquer le moment juste, de parler avant que le temps ne soit mûr. Elle se demande, jour après jour, comment elle sera reçue, comment elle sera perçue par toi. Verras-tu en elle ce qu'elle voit en toi? Sentiras-tu le même magnétisme qu'elle ressent en pensant à toi? Mais ne te méprends pas, malgré sa semble hésitation, cette personne rassemble tout le courage nécessaire pour faire un pas en avant. Chaque jour, elle se rapproche un peu plus de la décision de enfin se révéler. Elle répète ses mots, imagine son sourire, et essaie de prévoir comment sera ton regard en découvrant sa présence enfin devant toi. Et alors, dans les moments les plus inattendus, tu pourrais sentir un frisson soudain, un frisson qui parcourt ton échine. Ce n'est pas le vent, ni le froid de l'environnement. C'est l'énergie qui se déplace, l'univers conspirant, une présence invisible qui commence à devenir plus palpable chaque jour qui passe. Tu ressens, même sans le savoir, le toucher de cette âme qui s'approche de toi. Tes rêves pourraient commencer à changer, apportant de nouvelles sensations, de nouvelles images, de nouvelles voix. Parfois, il semble que tu puisses entendre quelqu'un appeler ton nom, même quand tu es seul. C'est la synchronicité du destin qui agit, te préparant à ce qui est à venir. Ton esprit sait que quelque chose est en route, quelque chose de grand, quelque chose qui va tout changer. Et quelque part, cette personne ressent la même chose. Il y a des nuits où elle se surprend à penser à toi sans savoir pourquoi.
Il y a des jours où tout semble conspirer pour qu'elle te trouve, pour que vos vies se touchent, même brièvement. Le désir de te connaître, de comprendre qui tu es vraiment, devient plus fort, plus urgent. Mais il y a une barrière, un obstacle qui la retient encore, un doute qui plane dans l'air. Et si tu n'étais pas prête? Et si tu ne ressentais pas la même chose? Cette personne craint le risque, la peur de l'inconnu. Mais elle sait aussi que le plus grand risque est de ne pas tenter sa chance, de perdre la possibilité d'un amour qui pourrait être unique. De ton côté, tu peux sentir une vibration différente dans ton environnement. De petits signes commencent à apparaître, une musique jouant au hasard, une odeur qui te rappelle quelque chose ou quelqu'un, des mots qui surgissent dans des conversations triviales et qui semblent te parler directement. L'univers envoie des messages, codés dans le langage de la vie quotidienne, attendant que tu les déchiffres. Pendant ce temps, cette personne décide de faire des pas en ta direction. Peut-être un regard plus prolongé, un commentaire inattendu, une tentative timide de se rapprocher. Elle observe tes réactions, essayant de comprendre si tu ressens également cette attraction invisible, cette connexion qui semble aller au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Tu remarques que, d'une certaine manière, ta routine commence à changer. Les personnes, les lieux, les situations qui étaient auparavant communs semblent maintenant porter un sens plus profond. C'est comme si chaque détail était subtilement aligné pour guider tes pas, pour t'amener vers cette rencontre qui est déjà écrite dans les étoiles. Et cette personne, de son endroit caché, sourit en voyant les petits progrès, les indices que le chemin s'ouvre. Elle ne sait pas exactement quand ou comment elle se révélera, mais elle sent que le moment approche. Et quand il arrivera, ce sera comme l'éclosion d'une fleur au soleil du matin, pleine de beauté et de mystère. Pourtant, l'attente continue, et le suspense devient presque insupportable. Chaque jour qui passe est un pas de plus vers l'inévitable, vers un destin qui ne peut être reporté. Mais en attendant, tout autour de toi conspire pour que tu sois prête, pour que ton cœur soit en paix et ouvert à ce qui vient. Ainsi, le temps passe, mais la certitude demeure. Parce qu'en quelque part, il y a quelqu'un qui t'attend, qui t'observe de loin, qui imagine le moment où tout s'alignera. Et tu sais, même si tu ne le comprends pas, que quelque chose de grand est sur le point de se produire. L'attente grandit, et l'univers attend le moment où les deux âmes se rencontreront enfin. Tu ressens que le moment approche, comme une tempête au loin, une énergie qui grandit chaque seconde. Et tandis que cette personne poursuit ses pas, tu ressens l'écho de ses pas sur ton propre chemin. Est-ce aujourd'hui? Est-ce maintenant? La réponse est si proche, presque à portée de main. Mais pas encore. Il y a encore plus à révéler, plus de mystères à découvrir. Parce que le destin a sa propre façon de travailler, son propre temps d'agir. Et en attendant, tu continues à marcher, sachant qu'à tout moment, tout peut changer. Et lorsque ce moment arrivera, tu seras prête à recevoir ce que la vie a de meilleur à offrir. Il y a une étrange sensation qui commence à émerger dans ton cœur, une intuition qui ne peut être expliquée seulement par des mots. Tu commences à percevoir que les rencontres au hasard ne sont peut-être pas si aléatoires que cela. Chaque coïncidence semble être un fil invisible, tissé avec précision, te connectant à quelque chose de plus grand, à quelqu'un qui partage le même destin. Peut-être, au fond, tu sais déjà que tout a un but. Et cette personne qui t'observe continue de chercher le moment exact. Elle sent que le temps est un don, un allié précieux. Elle ne veut pas précipiter le destin, mais elle craint aussi de perdre la chance de se faire connaître. Alors, au milieu de ses doutes et de ses angoisses, elle cherche des signes. Quelque chose qui lui ferait comprendre que tu ressens aussi, que tu attends aussi cette rencontre, même inconsciemment. Vous vous surprenez à penser à des questions sans réponse, à des possibilités que vous n'aviez jamais envisagées auparavant. Qu'est-ce qui a changé dans l'atmosphère autour de vous? Pourquoi avez-vous l'impression que vous êtes sur le point de découvrir quelque chose de profond, quelque chose qui pourrait changer le cours de votre vie? Au milieu de ces réflexions, une étincelle de curiosité commence à briller dans vos yeux. Les jours passent, de manière subtile, l'énergie autour de vous semble danser au rythme d'un tempo inconnu, un rythme qui résonne avec le battement de votre cœur. Peut-être est-ce votre esprit qui s'en approche, comme un écho lointain qui devient maintenant plus clair. Vous sentez que quelque chose ou quelqu'un est de plus en plus proche, même si vous ne savez pas encore qui ou quoi. De l'autre côté, cette personne ressent également la même attraction, comme un aimant irrésistible.
Elle commence à comprendre que, bien que l'attente soit difficile, chaque moment est précieux pour façonner la rencontre à venir. Elle vous voit, même quand vous ne la voyez pas, et se demande comment un désir aussi fort de se rapprocher, de connaître chaque détail de votre être, peut exister. À mesure que les jours se déroulent, de petites coïncidences commencent à surgir plus fréquemment. Des endroits que vous visitez sans raison apparente, des personnes qui mentionnent des noms que vous ne vous attendiez pas à entendre, des chansons qui jouent soudainement, apportant avec elles des souvenirs que vous ne saviez même pas que vous aviez. L'univers continue de tisser son réseau de signes, préparant le terrain pour quelque chose qui dépasse votre compréhension actuelle. Et alors, dans l'un de ces moments inattendus, vous pouvez ressentir comme si vous étiez observé. Une sensation légère, mais indéniable, que des yeux vous regardent, des yeux qui portent de la tendresse, qui vous voient d'une manière que personne d'autre ne voit. Cette perception éveille quelque chose de nouveau en vous, quelque chose qui vous pousse à chercher davantage. Le cœur de cette personne, quant à lui, bat plus vite lorsqu'elle remarque que vous avez commencé à percevoir les signes. Elle sent le changement dans votre énergie, comme si une barrière invisible se dissolvait, rendant le chemin plus clair. Elle sait que l'heure d'agir approche, mais veut que chaque détail soit parfait, que chaque mot soit le bon. Vous commencez à rêver de lieux où vous n'êtes jamais allé, de visages que vous n'avez jamais vus. Les rêves sont vivants, presque tangibles, et laissent une sensation de familiarité au réveil. Est-ce que votre cœur essaie de vous dire quelque chose? Ces rêves sont-ils un présage, une vision de ce qui est à venir? Il est impossible d'ignorer les sensations qu'ils laissent. En même temps, la personne qui vous observe a également des rêves. Des rêves dans lesquels vous apparaissez de manière inattendue, souriante, parlant, marchant à ses côtés. Ce sont des rêves si réels qu'elle se réveille en sentant votre parfum, en entendant le son de votre voix. Cela la motive encore plus à se rapprocher, à surmonter la peur qui freine encore ses pas. Vous sentez une nouvelle énergie en vous, une sensation d'anticipation qui grandit chaque jour. Quelque chose est sur le point d'arriver, et vous ne savez pas ce que c'est, mais vous sentez que ce sera quelque chose de bon, quelque chose qui changera votre vie d'une manière que vous n'avez jamais imaginée. Chaque matin, en vous réveillant, apporte une nouvelle promesse, un nouveau mystère à découvrir. Et la personne qui vous observe se réveille également avec une nouvelle détermination. Elle sent que le moment précis est très proche, presque à portée de main. Elle pense aux mots qu'elle va dire, aux actions qu'elle prendra. Elle répète mentalement chaque détail, chaque regard, chaque geste. Elle veut que la première rencontre soit inoubliable, qu'elle marque le début de quelque chose de spécial. Vous vous sentez plus attentive aux détails, aux signes autour de vous. Chaque feuille qui tombe, chaque rayon de soleil, chaque son dans l'environnement semble murmurer des secrets. Vous savez que quelque chose de grand vient vers vous, quelque chose qui a le pouvoir de changer le cours de votre voyage. L'univers semble conspirer pour que vous soyez attentive, pour que rien ne passe inaperçu. Et pendant ce temps, cette personne sent que son cœur est déjà entrelacé avec le vôtre, même sans que vous le sachiez. Elle croit que votre âme est déjà consciente de la connexion qui existe, et que seul le temps est nécessaire pour que vous vous rencontriez, pour que tout se révèle. Ainsi, elle attend, avec patience et espoir. Vous réalisez que vos pas commencent à s'aligner avec un objectif plus grand, comme si l'univers orchestrait un plan divin. Tout semble couler, et même les obstacles qui surgissent semblent vous conduire vers quelque chose de mieux. Une partie de vous sait déjà que vous vous préparez à quelque chose de grandiose, à une révélation qui changera tout. Cette personne, quant à elle, ressent la tension grandir. Elle sait qu'elle se rapproche du point de bascule, de ce moment où elle fera enfin le premier pas. Elle se prépare, sachant que tout dépend de ce moment. Et pourtant, elle hésite encore, attendant un signe final, quelque chose qui la poussera à l'action. Vous sentez que l'air autour de vous est chargé de possibilités, que chaque respiration est une invitation à l'inconnu. Quelque chose en vous vous dit de faire confiance, de continuer, de croire que ce qui est à venir sera exactement ce dont vous avez besoin. Et ainsi, vous poursuivez votre chemin, le cœur ouvert et l'esprit alerte. Cette personne décide alors qu'elle ne peut plus attendre. Elle sait que le destin a déjà préparé le chemin, que les signes ont déjà été donnés. Mais elle veut toujours le moment parfait, l'instant précis où tout s'alignera. Et elle sait, avec toute certitude, que ce moment est de plus en plus proche. L'univers continue d'agir de manière mystérieuse, et vous sentez que votre âme est en harmonie avec un objectif plus grand.
C'est comme si chaque pas que vous faites était guidé par une force invisible, qui murmure pour que vous continuiez. Vous commencez à réaliser que, d'une certaine manière, vous avez toujours su que ce moment arriverait, qu'un tournant vous attendait. Mais la véritable question demeure, qui est cette personne qui, en silence, attend de se révéler? Pendant ce temps, celle qui vous observe ressent la pression croître. Le désir de se rapprocher est si intense qu'il devient presque palpable. Mais, en même temps, il y a une peur qui la paralyse, une peur que, en faisant le premier pas, tout puisse changer pour toujours. Elle sait qu'il n'y a pas de garantie, mais que serait la vie sans risque? Que serait l'amour sans le courage de se révéler entièrement? Vous ressentez une présence lorsque vous êtes seul, une énergie subtile qui semble vous envelopper comme une étreinte silencieuse. Peut-être est-ce votre intuition qui vous guide, vous amenant à comprendre que vous n'êtes pas aussi seul que vous le pensiez. Vous commencez à chercher des signes, une confirmation que ce que vous ressentez n'est pas simplement une illusion, mais une vérité qui est sur le point de se révéler. Et cette personne, chaque jour, répète mentalement le moment où elle apparaîtra enfin. Elle imagine le scénario parfait, les mots exacts qu'elle dira, l'expression dans vos yeux lorsqu'elle vous verra enfin de près. Elle veut que vous voyiez qui elle est réellement, sans masque, sans barrière. Elle veut que vous ressentiez la connexion qui existe déjà entre vous, même sans mots. De votre côté, vous commencez à prêter attention à des détails qui auparavant passaient inaperçus. Le sourire d'un étranger, un regard prolongé, un geste gentil. Chaque petit moment semble chargé de signification. Vous vous demandez si c'est votre esprit qui crée des histoires ou si, en effet, quelque chose se déroule devant vos yeux. La personne qui vous observe continue à lutter contre ses propres incertitudes. Elle sent que le temps passe et que, chaque jour qui passe, la distance semble diminuer, mais le courage nécessaire est encore mis à l'épreuve. Elle se demande si vous avez déjà perçu sa présence, si à un moment donné vos regards se sont déjà croisés. Et le doute, bien que douloureux, est aussi rempli d'espoir. Vous commencez à remarquer que certains endroits vous attirent sans raison apparente. Café, librairie, parc, des endroits où vous ressentez une paix inexplicable, comme si quelque chose ou quelqu'un vous attendait. Vous avez l'impression d'être guidé, comme si quelque chose de plus grand vous conduisait dans la bonne direction. Est-ce le début de quelque chose que vous avez toujours rêvé? La personne qui vous observe connaît déjà vos habitudes, sait où vous aimez être, les chemins que vous prenez habituellement. Elle ressent une boule dans le ventre chaque fois que vos routes se croisent, même de loin. Elle croit que c'est une question de temps avant que l'univers donne le dernier signe, avant que les destins s'alignent de manière irréversible. Et vous, dans vos moments d'introspection, commencez à imaginer qui pourrait être cette âme qui semble si proche, mais en même temps si distante. Quelqu'un qui ressent pour vous quelque chose de si fort que même le silence ne peut contenir. Vous vous demandez si vous êtes déjà passé près de cette personne, si vous avez déjà échangé des regards, si vous avez partagé des sourires sans vous en rendre compte. La personne décide alors qu'elle doit aller de l'avant. Elle commence à planifier des moyens de s'introduire dans votre vie de manière plus subtile, d'être présente sans que vous le remarquiez au début. Elle croit qu'en faisant cela, la connexion entre vous grandira naturellement, comme une flamme qui se nourrit de petits gestes. Et vous commencez à ressentir une agitation, comme si quelque chose de grand était sur le point d'arriver. Le cœur bat plus fort, la respiration devient plus profonde. Vous réalisez que vous êtes anxieuse, comme si vous attendiez quelque chose que vous ne pouvez pas nommer. Mais au fond, vous savez que quelque chose est sur le point de changer, que quelqu'un est sur le point de se révéler. Cette personne continue à observer, à attendre, à planifier le moment où elle se rapprochera enfin. Elle sait que le risque est grand, que ouvrir son cœur la rend vulnérable, mais elle sait aussi que c'est le seul moyen de vivre pleinement, d'aimer véritablement. Elle désire que vous voyiez au-delà des apparences, que vous perceviez son âme. Vous sentez que le temps s'accélère, que chaque jour passe plus vite, mais aussi plus rempli de promesses. Les signes deviennent plus clairs, les rêves plus vivants, l'intuition plus aiguë. Vous savez que quelque chose est sur le point d'arriver, quelque chose qui changera votre vie de manière irrévocable. Et cette attente ne fait que croître, remplissant chaque recoin de votre être. De l'autre côté, la personne décide qu'elle ne peut plus attendre. Elle sait qu'il est temps d'agir, de sortir des ombres et de se révéler. Elle sait que le doute peut être douloureux, mais que la certitude peut être libératrice.
Elle se prépare pour le grand moment, pour la rencontre qui changera tout. Vous, pour votre part, sentez que l'air autour de vous vibre avec une énergie nouvelle, une énergie qui ne peut pas être expliquée, juste ressentie. Vous savez que vous êtes sur le point de découvrir quelque chose de grandiose, quelque chose qui était écrit dans les étoiles depuis le début des temps. Et, le cœur ouvert, vous vous préparez à ce qui est à venir. Elle s'approche, un pas à la fois, sachant que le destin est en embuscade. Elle sait que l'attente est terminée, qu'il est maintenant temps d'agir, de se révéler. Et elle marche avec la certitude que l'univers a préparé tout pour ce moment, pour cette rencontre, qui est encore à venir. L'univers semble conspirer pour que tout se passe au moment juste, au moment exact où la vérité sera révélée. L'attente grandit, presque comme si vous pouviez sentir l'air vibrer autour de vous. Vous ne pouvez plus ignorer l'appel silencieux qui résonne dans votre cœur. Qui est cette personne qui désire tant se rapprocher, qui rêve du moment où elle pourra enfin dire tout ce qu'elle ressent? Cette personne, qui vous observe tant, ressent maintenant une urgence presque incontrôlable. Elle perçoit que chaque jour qui passe sans agir est un jour de moins pour vivre la vérité de son âme. Les doutes existent encore, mais la volonté de vous connaître, de toucher votre vie d'une manière ou d'une autre, est plus grande que n'importe quelle peur. Elle sait qu'elle doit faire le prochain pas, même si l'inconnu est effrayant. Vous ressentez une énergie différente lorsque vous marchez dans les rues, une sensation que quelque chose ou quelqu'un vous accompagne en silence. Votre intuition vous dit de rester attentive, d'observer les petits détails que la vie vous présente. Une rencontre inattendue, un sourire d'un inconnu, un regard qui dure un peu plus longtemps que d'habitude. Tout semble faire partie d'un grand puzzle. Et cette personne, si proche et pourtant si lointaine, commence à percevoir que son attente est peut-être sur le point de se terminer. Elle sent que les énergies changent, que l'univers semble lui donner des signes qu'il est temps de se rapprocher. Elle répète dans son esprit ce qu'elle dira, comment elle vous surprendra, comment elle fera battre votre cœur plus vite avec sa présence inattendue. Vous commencez, sans même vous en rendre compte, à vous préparer à l'inattendu. Peut-être est-ce un choix de vêtements différents, un parfum qui vous fait vous sentir plus confiante, ou même un nouveau trajet pour le travail. De petits changements qui semblent insignifiants, mais qui portent une intention plus grande. C'est comme si, instinctivement, vous saviez déjà que quelque chose est sur le point de changer. Pendant ce temps, la personne qui vous observe sent que le moment est maintenant. Elle ne peut plus rester à distance, regardant votre vie passée. Le désir de se rapprocher, de faire partie de votre monde, de partager vos rêves et défis est si fort qu'il ne peut plus être ignoré. Elle sait qu'en dépit des risques, il vaut la peine de se battre pour ce que le cœur désire. Vous, dans vos moments de silence, commencez à vous demander si l'univers fonctionne vraiment de cette manière, si les rencontres destinées arrivent réellement comme dans les films et les livres. Mais ensuite, un sentiment profond vous envahit, la certitude que rien n'est par hasard, que tout a un but, que vous êtes exactement où vous devriez être. Et la personne qui vous observe ressent qu'elle doit être créative. Elle réfléchit à différentes manières de vous aborder, de se faire remarquer sans être intrusive. Peut-être une lettre anonyme laissée à un endroit où vous passez toujours, peut-être un geste de gentillesse qui attire votre attention. Elle veut que le premier contact soit inoubliable, qu'il laisse une empreinte profonde dans votre mémoire. Vous commencez à rêver de rencontres mystérieuses, de situations qui vous laissent intriguée et curieuse. Ce sont des rêves si vivants que vous avez presque l'impression de vivre une réalité parallèle. Vous vous réveillez le cœur battant, vous vous demandant ce qu'il signifie. Sont-ce simplement des reflets de vos désirs les plus profonds? Ou, d'une certaine manière, votre âme sait-elle déjà ce qui s'en vient? La personne, quant à elle, sent que le courage prend enfin possession de son être. Elle décide que la prochaine rencontre ne sera plus fortuite, qu'elle se fera présente de manière subtile, mais indéniable. Elle veut que vous sentiez sa présence avant même de la voir, que votre cœur sache déjà ce à quoi s'attendre lorsque vos regards se croiseront enfin. Vous réalisez que, ces derniers jours, vous êtes plus attentive aux détails autour de vous. Chaque geste, chaque regard, chaque mot semble porter un sens caché. Vous vous sentez comme si vous étiez en chasse au trésor, où le prix final est une vérité qui pourrait tout changer. Et ce sentiment d'attente est à la fois effrayant et excitant. La personne qui vous observe se prépare déjà pour le grand moment. Elle sait qu'elle ne peut pas se tromper, que c'est sa chance de montrer qui elle est vraiment. Elle souhaite que vous la voyez telle qu'elle est, une âme sincère,
qui porte avec elle une histoire qui se mêle à la vôtre de façon que vous n'imaginez même pas encore. Elle veut que vous sentiez que cette rencontre est le début de quelque chose de magique. Vous commencez à noter que les coïncidences autour de vous s'intensifient. Un livre qui mentionne un nom familier, une musique qui vous fait penser à quelqu'un que vous n'avez jamais connu, mais que vous sentez sur le point de rencontrer. Les signes sont partout, comme si l'univers hurlait pour que vous prêtiez attention. Et la personne, sachant que le moment approche, prend une grande inspiration et se prépare. Elle sait que le courage vient du cœur, et qu'il n'y a pas de place pour les regrets. Elle veut que vous sentiez que le destin a toujours travaillé pour que cette rencontre se produise, pour que deux âmes se rencontrent au moment parfait, à l'heure exacte. Vous sentez que quelque chose est différent. Une nouvelle énergie semble pulser autour de vous, comme si l'univers célébrait par avance un événement que vous ignorez encore. Et, même sans savoir ce que c'est, vous vous sentez prête, ouverte, réceptive à ce qui est à venir. Et puis, un jour ordinaire, dans un moment apparemment banal, tout change. Quelque chose que vous n'attendiez pas se produit, et le monde autour de vous semble s'arrêter un instant. Que se passe-t-il? Pourquoi votre cœur s'accélère-t-il soudainement? La réponse semble être juste là, à un pas de distance, prête à se révéler, et le mystère continue de se dérouler, attendant le moment exact pour que la vérité se révèle. Je vous remercie profondément de m'avoir permis de partager ce message avec vous. Si quelque chose a touché votre cœur, ou si vous avez senti que ces mots étaient destinés à vous, je vous demande de confirmer la réception de ce message en utilisant le numéro 333 dans les commentaires. Ce numéro est un signe que les anges sont à vos côtés, guidant et protégeant chaque étape de votre chemin. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, en vous inscrivant et en activant la cloche des notifications. Ainsi, vous serez toujours connecté aux messages que les anges souhaitent vous transmettre. Restez attentive, car beaucoup d'autres révélations et conseils divins sont à venir dans les prochaines vidéos. À la prochaine message des anges. Que la lumière, la paix et l'amour divin vous accompagnent toujours. Thank you.